Bonjour à tous, Paul Midi, je suis député de l'Essonne. Là, vous me voyez à l'INRIA, dans les locaux de l'INRIA, que je vous montre un tout petit peu autour. C'est sur le plateau de Saclay. Et j'étais ce matin avec Jean-Noël Barrot, le ministre du numérique, et toute l'équipe de la mission French Tech. Donc, Lara Chapaz, sa directrice générale. Et vous voyez, la French Tech, c'est ce logo là, ce coq que vous voyez très gros derrière moi. Et la mission French Tech et le ministre de numérique remettaient les prix DeepNum 20 pour mettre en valeur toute une partie de la French Tech qu'on connaît encore peu mais qui est très importante. C'est tout ce qui est Deep Tech. La French Tech, vous connaissez parce que c'est par exemple la Blackart ou Doctolib, des applications grand public, mais c'est aussi la French Tech de l'IA, du spatial, de l'ordinateur quantique, plein d'applications et d'innovations de rupture qui sont très importantes pour notre industrie de demain. Et donc, ce sont 22 lauréats qui ont été célébrés aujourd'hui, dont 4 lauréats d'ailleurs qui viennent du plateau de Saclay, je tiens à le mentionner. Et c'est par exemple une entreprise comme 22 qui fait de la reconnaissance d'images par ordinateur avec plein d'applications dans le monde industriel, dans le monde de la sécurité. Voilà, c'est une start-up qui marche très très fort et donc ça fait partie des start-up qui a été mise à l'honneur aujourd'hui. Voilà, c'est très important de les aider parce qu'évidemment, elles développent des technologies qui sont d'avenir, mais aussi elles créent de l'emploi et de l'emploi industriel sur notre territoire. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très vite.